est une bien triste nouvelle. L'acteur Eric Braeden, célèbre pour son rôle de Victor Newman dans Les Feux de l'amour, vient d'annoncer qu'il était atteint d'un cancer. En effet, l'acteur de 82 ans est revenu sur la façon dont il a appris sa maladie. Après une opération du genou, le comédien va ressentir de grandes difficultés à uriner. Pensant à un problème de prostate, il va retourner voir son médecin. Je déteste parler de choses aussi intimes, mais je pense que cela peut être bénéfique pour certains hommes plus âgés qui m'écoutent peut-être. La prostate grossit à mesure que l'on vieillit, si est inévitable. Il va donc se rendre chez un urologue qui parvient à le soulager, mais les symptômes reviennent. Si est aux urgences que le diagnostic va tomber, il est atteint d'un cancer. J'étais déstabilisé, mais déterminé à me battre. Il a programmé une chirurgie pour retirer le cancer. Courageux et combatif, Eric Braeden se veut optimiste. Après la chirurgie, il m'a dit : « Je pense que j'ai réussi à tout retirer. » Il m'a fait revenir une semaine plus tard et a étudié le rapport de la biopsie. Parmi les cellules cancéreuses peu agressives, il avait trouvé des cellules cancéreuses qu'il était. L'acteur doit donc suivre 6 semaines d'immunothérapie. Ce bâtard ne va pas m'avoir. Si est moi qui l'aurai et je serai bientôt en super forme, ajoute-t-il. Eric Braeden est combatif pour la star des Feux de l'amour, l'important est de garder le moral mais aussi de pouvoir aider ceux qui sont peut-être dans son cas. Je suis tellement heureux d'aller travailler. Ça me plaît, ça me distrait, j'aime jouer la comédie et j'aime savoir que je divertis les gens. Jamie, votre soutien, il signifie beaucoup. Alors si un membre de votre famille traverse ça, soutenez-le. Times through the rough times I've been.